Un cheveu à qui ça qui traîne là? Oh, oula! Paul de Hup du loulou, oh! Ferme-la! Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, tu vois. Il y a un ouais. Mec, il m'envoie un mail? Ouais? Attends. Invitation envoyée. Attendez, bougez pas. Attendez, hein, j'écris un mail. Mon cher David, sache que la personne avec la casquette sur le montage est un ami IRL qui est tout simplement Alfouille. Quoi? C'est quoi ces bails encore? Il te ressemble bon. Peut-être. Il me semble qu'il y a encore des gens qui pensent que moi je suis toi et on fait qu'une seule personne quoi, putain. Non mais il y a un mec, il dit que dans la vidéo, tu sais, de Armand là. Mais tu sais, ta photo à toi quand t'es comme ça. Bah oui, quand on dit Armand, mais oui, oui. Ouais, il dit, il dit que c'est toi le mec. Hein. Hein il dit que c'est lui, pardon. Là, sur mon live. Il dit que ça c'est lui. Non, il dit que ça c'est lui, gros. Mais moi je suis qui alors? Il se fait passer pour toi. Il se trouve que cette personne c'est moi. À aucun moment je t'ai donné le droit, ni à toi, ni à tes monteurs, si tu en as, d'utiliser mon image dans tes contenus vidéo. Bon. J'ai une famille, des enfants et un travail. Bon bah, psartec pour toi, David. Tu comprendras que ceci, sans mon accord en plus, n'est vraiment pas agréable. Le gars, il dit que c'est lui, hein. Non mais t'as vu ou pas l'image là? Bah oui. Bah, le gars, c'est ma grosse tête, c'est moi. Hein. Il dit je peux facilement prouver que c'est moi. Ah oui, bah moi aussi je peux prouver que c'est moi. Donc bon, je vais faire une recherche sur ce jeune homme. Oh. Et là, imagine, il dit même que sur la miniature c'est lui, hein, avec le nœud pape et tout, hein. Il dit que c'est ouais, lui, gros. Putain. Meilleure blague. Hein. Ouais, je te jure. Et là, imagine, gros, il envoie une photo et c'est vraiment moi. Enfin, tu sais, mais vraiment le souci. Il dit attends, hein. Je peux bien évidemment facilement prouver que c'est moi. Tiens, attends, je vais lui envoyer son Twitter. Ton Twitter, pardon. Vas-y, avec la photo, hein. Parce que c'est une photo de mon Twitter, ça, hein. Ah ouais? Bah ouais. Vas-y, envoie-moi ta photo. Attends, je vais la retrouver. Alors, attendez, les gars. Il va dire, ah, ok, tu m'as eu. Ouais, mais c'est vieux, ça, en plus, putain, c'était pour Nouvel An, il y a 2 ans, frère. Putain, c'est cocasse, hein. Je l'ai, la photo. Ah, vas-y, balance le lien. Vas-y, envoie le lien. Ouais, voilà. Dit que ça c'est lui, alors que bon, obviously c'est moi quoi. Ouais, complètement, c'est la première fois que je vois ça, gros. Le mec est persuadé que c'est lui, gros. Il a dit, je vais vous lire le mail, je viens de le recevoir à l'instant, c'est pour ça que ça m'a. Tu sais, j'ai fait attends, wait, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Je dis non, jamais Armand il aurait pris une. Armand, jamais il aurait pris une autre photo et tout. Le mail au mot près, hein. Vous allez voir, c'est. Et il me dit, j'ai remarqué dans plusieurs de tes vidéos que tu fais intervenir dans tes montages un, entre parenthèses, personnage, voire, entre autres, ta miniature de cette vidéo. Donc la miniature où t'es dessus, tu sais, Armand et moi dessus, tu vois. Ouais, bah ouais. Il se trouve que cette personne, c'est moi. À aucun moment, je ne t'ai donné le droit, ni à toi, ni à tes monteurs, si tu en as, d'utiliser mon image dans tes contenus vidéo. Je peux bien évidemment facilement prouver que c'est moi. Je suis quelqu'un de plutôt discret et n'apprécie pas être mis en avant comme cela et encore moins sans mon accord. Pour cela, je te demanderai d'effacer de chaque vidéo mon visage, et cela dans un délai de 15 jours à date d'aujourd'hui, en espérant pouvoir arranger ceci par cette voie. Il se croit, il s'approprie ton image. Mais encore, tu sais, tu prends un truc sur internet, une photo, quoi, tu peux avoir le doute, en mode, ah merde, peut-être que, voilà, tu vois. Mais là, c'est moi, gros. Mais ouais. Tu vois, 100%, il va lui envoyer le truc et tout, là. Il va dire, oh, non, mais c'était un prank, c'était pour 100%. Non, il m'a envoyé son blaze, là. Bah, dis-lui qu'il vienne sur TS, hein, ça ira plus vite. Hein. Tu dis, gros, moi, je suis toi, moi, je suis moi. On fait comment? David, la Tunisie, ça va pas le faire. Il m'a donné son Twitter. Ah, vas-y. Je vais aller voir. Vas-y, mais ça se trouve, c'est toi, gros, c'est un copier-coller. Caprice, non, mais il est cinglé, ce mec. Mais il te ressent pas. Attends, fais voir. Là, je... Oh, Daniel. Ah non, mais gros, il ressemble pas du tout, gros. Mais pas du tout. Il a 40 ans, ce bâtard. Oh, bah, t'es pas loin, non? Non, je vous le dis, les gars, hein. Il est loin de me ressembler. Hein. Oui, message privé, j'y crois, arrête de tacter moi. Hein. Bah on voit lui hein, no joke hein, tu ouais. Fais... Ah il y en a une, un tout petit peu. Ils partent même pas de lunettes en plus. Et c'est la première fois que ça m'arrive, putain. Oh mais... putain, je suis mort. Gros, il a réussi. Non mais il a cru vraiment que c'était lui. Attends, c'est je lui. Te confirme mais, que il sent pas du tout le fouille. Bien moi
dans les vidéos de Mister Bboy 45. Ouais, respectez la vie privée des gens. On va voir s'il veut venir. Je lui ai passé le PS. Ah putain, et c'est la première fois que ça m'arrive. Mais tu sais qu'au début, j'étais là en mode, attends, mais gros, j'ai pas souvenir que Armand. Enfin, genre, il prend pas de photos d'inconnus, tu sais, pour les mettre sur attends, les regarde, j'ai tout, jamais vu ça, tu vois. Au début, je me suis dit, attends, Bloody. Bah, Bloody, il y a une photo de lui, c'est sa photo de Twitter. Il y a Spyman, c'est son logo. Et Loulou, c'est son logo. Je me dis, jamais. Voilà. Enfin, je pense être bien placé pour savoir que le respect de la vie privée, c'est le respect de la vie privée, tu vois. Bah tiens, attends, je vais switcher Bloody s'il veut voir. Vas-y, envoyez à Bloody le gars. Envoyez à Bloody le gars. Non, t'as envoyé la deuxième. Non, mais déjà, le mec, le montage d'Alfou, c'est une casquette qu'on a rajouté dessus. Que Armand a rajouté. Non, mais déjà, comment il peut se dire, ouais, c'est ma photo. Non, putain, c'est merde. Dommage, on peut pas vous montrer, mais vraiment, les gars, il ne lui ressemble pas. Non, il est personne. Mais... Non, alors, les gars, j'ai discuté un petit peu avec lui par mail parce qu'il m'a répondu entre temps. Il est vraiment persuadé de lui ressembler de ouf. Il avait les mêmes lunettes à l'époque et même coupe de cheveux. Dans ce cas, désolé pour ceci, cela reste troublant. Je crois pas besoin de drame. Mais non, y a pas de drame, hein. Ah bah, il doit être. Mais t'es sur le live. C'est peut-être ton frère, gros. Je croyais au début c'était mon image, tu sais, dessinée. Je me suis dit, c'est, je pensais que c'était un mec qui allait se faire passer pour un dessinateur et qui allait dire mais c'est moi qui l'a dessiné à l'époque et tu l'as utilisé. Ce qui est faux, hein. Tous les dessins ont été faits par Tina et tout. Et là, et je lui envoie un mail, je lui fais mais t'es sûr que c'est à 4-18, c'était à 4018, un truc comme ça. Je lui dis t'es sûr? Il me dit oui, c'est moi, je peux le prouver et tout. Je fais ouais, putain, c'est bizarre. C'est chaud quand même d'aller jusqu'à dire si je peux le prouver. Bah oui, mais il peut pas prouver grand chose finalement. C'est vrai que là, les photos, il sent pas du tout. Mais apparemment, il avait la même coupe de cheveux et les mêmes lunettes à l'époque. Ce que ouais, je veux bien croire. Oui, il y a une différence entre dire je ressemble et c'est moi, tu vois. Bien sûr. Bon, vous êtes prêts, les gars? Vas-y, on va y aller. Mais en tout cas, voilà, ça m'a bien fait rien, mais j'étais obligé de répondre sur le coup parce que le mec, en plus, il met l'ultimatum. Il me dit t'as 15 jours. Je fais comment ça? Qu'est-ce qui se passe dans 15 jours, tu vois? Par contre, faites tous attention. À votre identité, c'est très important sur les réseaux sociaux et tout. Ne laissez personne vous faire passer pour vous. Voilà.